famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, il a neigé ce matin, un bordel. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu de la neige en région parisienne. Et là, il fait combien? Température extérieure 1,5 degré, les gars. Ah, regardez, il y a la petite tétée là, qui est un petit arrivage de la semaine, qui est juste devant moi. Ça, c'est une petite tétée qui est dispo à la vente. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram. On vous donne les infos, une petite tété cabriolet super sympa. En blanche comme ça, je la trouve magnifique. Donc les gars, sujet de la vidéo aujourd'hui, on va récupérer une petite Ferrari en concession Ferrari directement à Paris. Une des plus grosses concessions Ferrari du monde, qui est magnifique. Je vais voir si j'ai autorisation de filmer un petit peu leur showroom, vous montrer un petit peu comment c'est fait. Là, on va chercher une voiture pour un de nos clients. Un de nos gros clients fidèles pour directement lui livrer à son domicile. Donc là, je suis dans le X5 et on est parti. Les amis, comme d'habitude, juste avant de poursuivre la vidéo, je vais vous parler du site Car Vertical, un site que j'utilise pour contrôler toutes mes voitures que j'ai à la vente. Ça permet de contrôler le kilométrage, voir si le véhicule n'a pas été volé, s'il n'a pas été accidenté ou si ça n'a pas été un ex-taxi, ex-auto-école ou autre. En fait, vous avez toutes les vérifications qui sont faites ici en mettant le numéro de châssis de la voiture. Donc là, j'ai pris le cas sur une 488 GTB vu qu'on est sur le thème Ferrari pour cette vidéo. Donc là, on voit que la 488 vient d'Espagne. Ensuite, elle a été immatriculée en France. Elle a eu une révision en France. Et on voit qu'ici, elle a été examinée. Donc on va aller voir pourquoi elle a été examinée. Et normalement, c'est là où il y a le niveau du kilométrage. On voit que la courbe kilométrique est cohérente. Et par contre, c'est au niveau des dommages, on voit qu'il y a eu très très gros dommages. Donc là, c'est un peu abusé, entre 2 et 300 000 euros de dommages, mais c'est que c'est une grosse somme. Donc là, on va voir s'il n'y a pas des photos de l'accident. Voilà, donc là, la 488, avec les photos accidentées de l'expertise. Et ensuite, elle a été réparée. On vous dit aussi s'il y a eu des rappels constructeurs ou autres. Donc voilà, vous voyez sur cette voiture. Ça permet de voir qu'elle a été accidentée avant de l'acheter sur une voiture comme ça, c'est important. Donc les gars, je vous mets dans la description le lien avec la promo. Comme ça, vous avez une petite réduction sur le site Car Vertical pour contrôler tous vos véhicules avant de les acheter, c'est important. Donc là les amis, on est arrivé chez Ferrari. On va aller découvrir la voiture dans un instant qui est sous la bâche. Qui a une super belle config, super classe. Et là, il y a des petits produits super sympas. Dans le hall, j'ai un petit penchant pour l'aroma, je la trouve magnifique l'aroma. Ouais, c'est parti, on va aller découvrir la voiture qui est juste derrière ce rideau là dans l'aire de livraison. Là, ils nous ont mis des petits cadeaux dans le coffre, des petites attentions de Ferrari. Une bâche, un maintien de charge, comme ça. Permet de maintenir la batterie en charge. Plein de petits accessoires que le client va découvrir. Ça, c'est un
un tire-bouchon, c'est insolent. Les finitions de la voiture sont exceptionnelles. J'ai jamais conduit de GT4 Lusso. Donc c'est une 4 places. C'est une des seules Ferrari en 4 places avec la FF. Voilà les gars, on est à bord du fer. C'est la première fois que je conduis une Ferrari aussi récente. Il y a quelques semaines, j'avais la F12 Berlinetta, qui était un peu plus vieille, entre guillemets, qui était de 2014. Là, on est sur une voiture de 2017, fin 2017. Donc avec le nouveau volant, le nouvel intérieur, la nouvelle plateforme, le nouveau multimédia. Elle est vraiment magnifique et super, super confortable, super agréable à conduire. Là, vraiment, alors ça rugit, ça ronronne bien. Mais elle est super propre. Vous avez les modes de conduite qui sont ici. Donc vous avez le mode weight, confort, sport, on se met en weight. Se mettre en confort un petit peu là, en mode sport. La plateforme ici, avec des rangements, il y a pas mal de rangements. Vous avez l'écran passager aussi qui est une option. Regardez les sièges, comment ils sont magnifiques. On sent que ça chante bien. Voilà, ça ronronne bien. Donc on est sur un pack carbone avec les palettes en carbone aussi. Incroyable. Elle est juste incroyable. Ce matin, je me suis réveillé, il neigeait. J'ai fait merde, c'était pas le bon jour pour la récupérer celle-là. Mais là, ça va, ça a séché, ça a pas tenu. Et elle est vraiment super agréable à conduire. Vous avez même le mode neige dessus. Le pack, oh là là. C'est un régal. C'est un régal d'être au volant de cette voiture-là. Incroyable. Le volant est magnifique, une bonne prise en main, vous avez le petit shifter là. Configuration classique, classe, noir cuir noir et jantes anthracite. Magnifique. Bon les gars, on va se faire un petit tunnel quand même. Que c'est important sur une voiture comme ça, sans trop monter dans les tours, bien évidemment, pas rétrogradé. Ça chante bien. Mais juste ce qu'il faut, c'est tellement classe. Incroyable. Incroyable. Bon les amis, je viens d'arriver au garage. Putain, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et en 4 places, là, je trouve ça vraiment insolent d'avoir une Ferrari en 4 places. Là, tu peux emmener les mômes en balade. L'arrière, je le trouve sublime. L'arrière, elle est vraiment magnifique. Pour
profiter pour faire un petit tour dans le showroom. Une petite Yaris petit budget qui est arrivée. Il y a déjà une visite de ce soir dessus. À mon avis, elle va pas faire long feu. Petite 992 qui est là. La Audi R8 toujours là. La 8 est réservée. La R8 aussi normalement. 308 GTI toujours disponible. La petite RS3 aussi. Le Class G. En Just Sport. Lamborghini Gallardo. On a une petite visite dessus derrière. À voir ce que ça donne. Petit Z3M. Et le Macan S toujours disponible. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer la Ferrari pour le petit shoot photo. Et ensuite, on va la déposer pour le transport, pour la livrer directement chez le client dès demain. On va voir la lumière du jour. Bon voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas montré mon gros crâne là en vidéo. Ça fait plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.